Des coups de pédale cadencés et des mains gantées de détermination. Sur les routes du 16e Tour cycliste international du Bénin, les écureuils ont montré du caractère. Nous venons de faire un tour du Bénin sur lequel personne ne nous attendait. Preuve que les lignes bougent dans cette discipline, l'Union cycliste internationale offre 10 vélos moyens de gamme et autres accessoires au Bénin. Quand on nous donne du matériel à l'étranger, comme la Sobebra nous achète du matériel, même si une partie de ce matériel est utilisée pendant que nous ayons besoin de ça, nous devons faire une remise officielle. Et cette remise officielle permet à celui qui nous a offert le matériel de pouvoir savoir que ce matériel est arrivé juste là où le matériel doit arriver. De la logistique à portée de pied pour des coureurs bien plus déterminés à gravir les plus grosses montées. Le cyclisme commence par faire rêver. Les Béninois découvrent progressivement des athlètes capables d'aller titiller les sommets sur le continent. Il y a quelques années, le Bénin n'était nulle part. Aujourd'hui, nous commençons à être sur les podiums. Le Bénin a décidé d'inscrire son nom sur le toit de l'Afrique à travers le sport. Et dans toutes les disciplines où nous avons du potentiel, dans toutes les disciplines où aller décrocher un podium, une médaille, une coupe est possible, nous allons nous battre pour le faire. Et la petite reine ne compte pas rester en marge de ce mouvement. Elle veut reposer son destin sur les jambes de ses coureurs.